Salut tout le monde, bienvenue sur Time to Play. Time to Play Pixel T2 Pipi. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous allez voir. Je suis en train de construire une nouvelle borne d'arcade, donc une grande borne, pas un bar top, hein, une grande borne pour une commande client que je dois faire avant fin janvier. Donc ça c'est le panel. Voilà, beau panel. Donc on peut voir les boutons là, les joysticks, c'est déjà fixé. Donc comme d'hab, même méthode, hein, parce que j'ai pas trop les moyens, j'utilise pas du T-molding, donc baguette PVC. Donc ça on peut voir, c'est l'étagère qui ira dedans, pareil, hein, habillée d'une baguette PVC pour faire la finition. Voilà, ça sera la porte. La porte, voilà, les charnières. Là, ce sera les baffes. Donc les baffes comme pour faire là ici là comme ça. Après là j'ai coupé le plexiglas, donc pareil habillé de baguette PVC. Voilà, baguette PVC, hop, pour faire donc le haut là et le milieu, là où il y aura les boutons select et start. Donc c'est pour vous montrer un peu comment on fait pour construire une borne d'arcade, c'est assez simple, hein. Donc ça c'est la télé, une télé LED 80 cm, LED dernière génération. Donc vous voyez, j'ai pris une planche, je l'ai percée ici, donc percée à 10 et réagrandie à 12, puis après percée à 6 pour le diamètre de la vis, donc il est fixé comme l'équerre là. Voilà, après là on a le bas. Ça c'est diagonale bas et ça c'est ce qui va en dessous le panel en oblique. Donc vous allez voir pareil la découpe des côtés, hein. Donc la découpe des côtés c'est ça. Découpe des côtés, hop, voilà, on voit, donc il y en a une belle coupe, hein, propre, simple. Voilà ce que ça donne. Donc ici ce sera les baffes, là ce sera l'écran, là ce sera le panel, là ce sera le plexi du milieu, là il y aura le plexi du haut. Voilà, donc là il y aura la porte. Voilà, donc on peut voir, hein, bien bien profilé. Voilà en bas. Après ça, ce sont les découpes pour le fond. Donc l'arrière de la borne, hein, pour bien fixer le truc. Ça, ce sera le toit. Et ça, c'est l'oblique. L'oblique qu'il y a ici. Là. Voilà. Et ça va nous faire une grande borne. Un peu comme la borne Pac-Man, là, que vous avez pu voir juste avant. Donc, ça, c'est la première partie de la vidéo. Vous verrez la deuxième partie quand j'aurai monté. Donc, ça va faire une grande borne comme ça. Voilà, pour une commande client. Alors après, nous... moi je reçois les joysticks que je commande sur eBay, donc dans des cartons comme ça arrive sous 3 semaines. Donc là vous avez les encodeurs USB, donc les cases rouges c'est pour brancher les câbles, les araignées pour aller sur les boutons LED. Donc en fait là vous branchez un pin que vous reliez à un sucre, donc un pin comme ça, vous recevez des câbles comme ça avec. Ça c'est le câble 5 pins pour aller au joystick. Là vous avez tous les pins et toutes les cosses qui vont venir se clipser ici, là. Voilà, là en haut, c'est pour l'araignée, pour les LED. Voilà, donc vous reliez tout ça aux encodeurs, en fait. Voilà, joystick tout neuf, hein. Vous reliez tout ça aux encodeurs. Donc les encodeurs, ça se présente comme ça. Derrière les encodeurs, vous avez le K1, K2, K3, K4. Donc le K1, K2, K3, K4, ça fait comme ça. Moi, je branche comme ça. K1, K2, K3, K4, L2, R2. Et après, vous avez les boutons sur les côtés pour les flippers. C'est L1 et R1. Tout simplement. Donc, vous voyez, on reçoit ça comme ça. Les boutons sont... Les boutons, hein, comme vous pouvez voir, les boutons ici, là, les boutons, on les reçoit comme ça. Il y a juste à les mettre et à les visser après.
Donc là, c'est des trous que j'ai percés à 30 mm. Après, ça dépend des boutons que vous recevez. Il y en a, c'est 28 mm. Il y en a, c'est 32 mm. Moi, je prends toujours des 30 mm. Donc, vous voyez, vous avez toutes les câbles pin, les boutons. Là, vous avez les joysticks avec. Hein. Voilà, on peut voir. Voilà, ça, c'est le joystick. 5 pins. Donc, ici, là, ça, c'est le 5 pins. C'est pour les directions haut, bas, gauche, droite. Il faut brancher ce câble-là. Celui-là. Et vous venez le brancher sur votre encodeur. Oh, pardon. Vous venez brancher sur votre encodeur ici. Et là, vous branchez votre USB. Donc vous recevez un câble hein, comme ça. Avec un 4 pins. Voilà, c'est ça. 4 pins là. Et là, le 4 pins, vous le branchez là. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à faire les branchements du panel. Voilà. Et puis après, je vais attaquer le montage. Voilà, donc l'étagère. On refait un petit tour, la porte. Voilà la porte. Les baffles. Et la télé. Voilà, tout simplement. Donc, et le plexiglas, hein, bien sûr. Donc après, on viendra percer à 4 mm ici pour mettre les vis. Voilà, là, 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 là. Je travaille pas trop avec la colle. Hein. Moi, je travaille surtout avec des équerres et des vis à l'ancienne, quoi. Donc voilà. Pour cette courte vidéo explicative de la prochaine borne que je vais faire. N'oubliez pas, game is life!